réponse partout. Ex aequo, dernière question, donnez-moi un prénom. Quel est ce prénom porté par un saint italien du XIe siècle? J'ai des lacunes en saint italien du XIe siècle, mais j'ai quand même une idée et j'attends, je réfléchis. Et Jean-Michel a la main, il appuie et il dit Côme, prénom Côme. Julien qui commence à douter sérieusement des capacités intellectuelles de Jean-Michel, vous me dites Côme, 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 c'est pas Côme, porté par Arago, Fénelon, Couperin. Et j'ai passé mon bac au lycée Couperin. Je me suis dit, ce con n'a pas changé de prénom. François. Bam ! François ! Finale contre Michel. Michel arrive dans la lumière. Je lui fais le geste de Usain Bolt, de la foudre. Je ne lui serre pas la main, ça se joue en 21 points. Vers moi, elle est nue en nuisette, avec des seins sublimes, une fille de 19 ans et demi, 20 ans. Et je vois une étagère, avec les classiques des philosophes, et je vois les pensées de Pascal. Je tombe sur un chapitre sur le divertissement, et je dis à Margot, tout le malheur de l'homme est de ne pouvoir rester enfermé seul dans une chambre. Un SMS de Olivier. J'aimerais juste te parler. J'ai eu honte de mon corps jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai passé ça sous silence, même après t'avoir rencontré. J'ai honte, et cette honte est comme une vague. Une petite vague qui vient te lécher les pieds quand t'es au bord de la mer. J'ai honte. Je jouis en toi. Tu m'aimes, tu me déchires à la scie. T'es la plus belle femme que j'ai jamais connue. Je te déshabille, je suce tes poils. Ta petite culotte noire, je pourrais la Emilie, arrête, arrête, ça me gêne. J'aime ton âme. Tu jouis. Joie, je verse du champagne sur ton ventre. Donne-moi le téléphone. Ça